Bonjour, bienvenue au Jardin Solidaire une nouvelle fois pour faire une présentation aujourd'hui des plantes qui peuvent s'associer. On parle de compagnonnage ou même de mariage entre les plantes. Eh bien, nous allons découvrir tout ça. Et en particulier, encore aujourd'hui, on mettra à l'honneur la tomate qui aime bien aussi les soucis. On a souvent vu dans les jardins des œillets mis avec les tomates. Les soucis, c'est un peu la même chose. Ça va protéger au niveau des racines de certaines maladies, de certains parasites, car ces soucis peuvent être répulsifs et contenir certaines maladies ou certains vers comme les nématodes. Donc d'associer, attention, à l'association, c'est vraiment, vous voyez, j'ai un pied de tomate, et mon souci, il est en plein milieu, voilà, et au niveau racinaire, tout va se conjuguer, en fait, pour protéger au mieux les tomates. Pour le chou, alors là, ils sont un petit peu mangés par les pigeons, les limaces, et des petites punaises, mais voilà, le cœur se porte bien, et le rendement du chou serait meilleur avec l'association avec les tomates. Parfois, on peut faire des associations un peu au hasard, et puis il faut essayer, ça marche, ça marche pas, il faut refaire à chaque fois. Donc nous voici maintenant, voilà, sur quelque chose que l'on redécouvre, qui existe depuis des siècles et des siècles. C'est ce qu'on appelle la milpa en Amérique, qu'on appelle aussi le mariage des trois sœurs. C'est assez étonnant de pouvoir associer ces trois plantes qui sont le maïs, le haricot grimpant et les courges. Et là, en l'occurrence, j'ai mis celle qui fait peut-être le moins de feuillage dans les cucurbitacées, c'est le concombre. Et lui, il va tapisser tout le sol avec ses feuilles. Alors le concombre n'est peut-être pas le meilleur cucurbitacée à prendre. Au mieux, peut-être partir sur des courges avec des grandes feuilles comme la butternut, comme le petit marron, qui vont permettre de couvrir le sol et de préserver le sol et de garder l'eau le plus longtemps possible. Et puis, le haricot, quand il a fini sa vie, on va le faucher, il va rester sur place. Le maïs va continuer, il va profiter de l'azote qui a été lâché par le haricot. Et puis, les courges, on a le temps, hein, on peut les ramasser très tard. Le concombre, bon, un peu différent, on va le ramasser au fur et à mesure. Mais si vous mettez une courge, un potimarron par exemple, vous pouvez les ramasser avant les premières gelées. Et puis, on a rajouté quelques fleurs comme la phacélie, qui vont permettre d'accueillir tous les pollinisateurs, que ce soit les abeilles, les bourdons, mais aussi les mouches. Alors maintenant, quelque chose d'intéressant, d'étonnant aussi, c'est une structure qui s'appelle le jardinou. C'est un jardin surélevé. Dans ce jardinou, j'ai répertorié au moins une quinzaine de plantes. Tournesol, tomates, soucis, plantains, il y a du zinnia, il y a de la fumeterre, il y a de la tétragone, il y a de l'épinard fraise, il y a du chou chinois, et toutes ces plantes, bon, cohabitent. Il y en a certaines, comme la tomate, à un moment donné, tiens, je vais peut-être pouvoir me servir du tournesol comme tuteur. Les associations, ça s'essaye. Et une qui marche très bien, c'est le poireau et la carotte, par exemple, avec deux mouches, deux carottes et deux poireaux. Une n'aime pas l'odeur du poireau, l'autre n'aime pas l'odeur de la carotte, donc on associe.